16 Nekil, bienvenue dans le match de la peur, le match de la mort, Bordeaux contre Metz, le 20e contre le 19e, on gagne ou on crève, on gagne ou on crève, je vous amène avec moi au stade, je vais filmer mes réactions, et ensuite je vous ferai un débrief, si t'as pas envie de voir mes réactions, passe direct au débrief, il y a un petit chronologie dans la description, en attendant mets-moi un petit pouce bleu, et c'est parti, let's go, on part au stade. Dangereux à part en début de match. Ouais. Derrière, bah, mauvaise passe, il panique comme d'habitude. Il va falloir se bouger le cul parce qu'on a deux buts à marquer, deux buts ou crever. Voilà, les Bordelais, deux buts ou on crève. Thank you.
corner, il a bien tiré un corner à vie. Adieu, fais-moi des enfants. Wog. 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 Wog, oui, je suis là. De Gaulle a libéré la France en 44, Wang Wuxiu a libéré Bordeaux en 2022, le match est terminé, Bordeaux a gagné 2-1, je rentre chez moi, on va débriefer ça. Le nénuphar n'est pas mort, le nénuphar n'a pas encore pris la tête du tétard, ça veut rien dire, mais tout ce que ça veut dire c'est qu'on n'est pas mort, on est encore en vie, on peut le faire et on va le faire les amis tous ensemble, mais tout de suite le débrief, on va parler de ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, retour au bercail, on va débriefer ces matchs, il y a pas mal de choses à dire, mais déjà, le soulagement, respire. Putain, j'ai l'impression que je vais accoucher. Et... on n'est plus dernier de Ligue 1. Qu'est-ce que ça fait plaisir. À deux doigts d'aller voter Mbanyang au premier tour de la présidentielle. Clairement, ce match, quand tu le prends comme ça au premier degré, tu te dis, Bordeaux-Metz, c'est le bonnet d'Anico. C'est le détritusigo. C'est le merdico. C'est le déchetico. C'était mal barré, au-delà du fait que les supporters étaient replacés au 18e étage du building qui nous sert de stade. Donc c'était pas évident pour partager quelque chose. Il y avait beaucoup d'espace entre les supporters et les joueurs. J'ai quand même bien entamé le match, tu vois. Pour une fois, on mettait du rythme, tu vois. Première action Messine, bam. Allez, c'est terminé, but. Et là, tu te dis, ça y est, c'est reparti. On va tirer 18 000 fois au but, on va pas marquer. Je vais encore insulter l'arbitre. Je vais me faire pourrir par les Messins, par les Marseillais. Bordeaux Ligue 2. Non. Cette fois, je refuse. Cette fois, je refuse mon sort. Cette fois, ils vont réagir. Parce que c'est pas possible autrement. Ils vont forcément réagir. Et quand tu commences à croire en toi, quand tu commences à te dire que c'est possible, quand tu prends conscience que le blason des Girondins, il va avoir un impact sur toi. Parce qu'il est mythique. D'accord? Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Paf! Patatrac! On gagne le match! De mon vivant, voir Toulouse monter en Ligue 1, d'accord, et Bordeaux descendre en Ligue 2, de mon vivant, jamais de mon vivant je veux voir ça. L'année prochaine, je veux voir le Chocolatinico, d'accord, je veux voir le Chocolatinico. Il n'y a pas qu'une ville qui représente la chocolatine, il y en a deux qui représentent la chocolatine, d'accord. Et dans le sud-ouest, il n'y a qu'un club légendaire, c'est les Girondins de Bordeaux, c'est la résurrection de la Bordelaise, les amis. N'oubliez jamais, un grand club ne meurt jamais. Un grand club ne meurt jamais. Où qu'il soit, où qu'il joue, n'importe quand il joue. Un grand club se réveillera toujours. Et aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux se sont réveillés. Vous avez tout tenté, vous y avez cru. Vous avez joué en y croyant, ça la différence. Vous jouez pas forcément mieux qu'avant. Mais par contre, quand vous jouez, vous croyez en vous. Et là, bizarrement, quand on croit en soi, eh ben ça va mieux. Désolé pour les Messins qui vont regarder ce débrief, mais je pense que vous-même allez être lucide. Moi, je veux bien en prendre 6 contre Reims, je veux bien en prendre 6 contre Rennes. Allez, on en prendre 6 contre Paris, en prendre 5 contre Montpellier. Enfin, je sais même plus, on a pris tellement de pions partout que je sais même plus où est-ce qu'on les a pas pris. Mais contre Metz, franchement, non. Dire le mec, là, le numéro 22, là, je veux dire, il a sa place en UFC, le gars. Dire le mec, c'est un baratineur, quoi. Mais insupportable, le gars. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule, le mec, il a passé son temps à parler à l'arbitre. Que je te frôle la jambe avec mon crampon, et vas-y que je te mette un tête contre tête. On redescend dans l'étage, s'il te plaît, là. T'as cru que tu joues contre qui? T'as cru que tu joues contre qui, là? Ça a pas été parfait, je suis d'accord, ça a pas été parfait. Il va falloir quand même jouer encore mieux que ça pour se maintenir. On est toujours 19e, mais on est à 2 points du maintien. Et à 1 point du barragiste. Et ça, ça change tout dans les têtes. Et quand on joue avec la peur, on est mauvais, voilà. Par contre, quand on commence à croire en nous, on peut battre n'importe qui. Je le dis, on peut battre n'importe qui. Je vous rappelle quand même qu'on a battu Strasbourg 4-3. Strasbourg, c'est pas des peintres, cette saison. Ce qui me met juste hors de moi, c'est cette façon qu'on a de jouer toujours en arrière. On a gagné 3-1, c'est bien. Mais alors, en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps. Mais je veux dire, Tom Lacou, je le kiffe, tu vois. Mais à chaque fois qu'il arrive sur la ligne médiane, il croit que ça, c'est des passages, le mec. C'est pas une ligne stop, hein. C'est une ligne médiane, frère. Arrêtez des ballons un petit peu devant. C'est quoi cette façon de toujours aller à droite, à gauche, en arrière? On joue comme des crabes. Comme des crabes, comme ça. Quand des fois, on joue comme des pauvres petits crabes apeurés qui voient une épuisette.
jusqu'au but égalisateur. Là, le but égalisateur, ça y est. On était reparti, on est allé de l'avant. Là, c'était pas les Girondins des escrocs, c'était les Girondins de Bordeaux. Là, j'ai enfin vu les Girondins de Bordeaux. Bordel! Je le dis depuis le début de saison, Bordeaux n'est pas prédestiné à jouer le maintien. On n'a pas une équipe pour jouer le maintien. Vous nous avez mis dans la merde. Donc, comme des grands, comme des hommes, vous allez nous sortir de cette merde. D'accord? Et en attendant, nous, quand vous jouez comme ça, on est derrière vous. On ne vous lâchera pas. On vous a châtié, on vous a châtié. Mais on vous aime. On vous aime. Je vous aime. Je vous ai peut-être insulté parfois, mais je vous aime. Vous m'avez fait plaisir, là. Vous m'avez fait plaisir, là. J'ai vu une équipe de foot, là. J'ai vu des joueurs de foot pleurer. Une réaction d'orgueil. Enfin, de l'orgueil. Vous en avez de l'orgueil. Et là, je l'ai vu, votre action. Je suis fier de vous. On est fier de vous. Et vous savez quoi? Vous allez vous maintenir. Vous allez vous maintenir. Parce que les mecs en face, ils ont pas la moitié de votre talent. Parce qu'à Lyon, qui joue en roue libre, là, depuis quelques matchs, n'allez pas quoi, vous allez pas prendre au moins un point à Lyon. Vous pouvez le faire. Après, on a le destin entre nos mains. On a Saint-Etienne qu'on reçoit et Lorient qu'on reçoit. Ça aussi, ce sera des finales. Comme Bordeaux-Metz, pareil. Désolé, les amis les Verts, mais là, dans ce match-là, il y aura pas de pitié. Ce sera victoire ou la mort, encore une fois. Il faudra tout donner. Mais on peut le faire, on a les moyens de le faire, vous êtes capables de le faire. Ce qui s'est passé, on pourra pas le changer, ça s'est passé. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a 26 points. Qu'on est à 2 points du 17ème. C'est tout ce qui m'importe à moi. Un gros pouce bleu pour la victoire bordelaise. Si vous soutenez la victoire bordelaise, un gros pouce bleu les amis. Partagez cette vidéo, n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un live d'anthologie. D'anthologie Lyon-Bordeaux. Ça va être la folie, ça va être le feu. Les amis, ça va être le Maracana dans ma chambre. Je vais vous commenter ça comme si c'était la fête de la Ligue des Champions. D'accord? Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez jamais, on est où? On est là! Mangez des chocolatines! Et allez!